Mais on est à Malte. Ici Maxence Rigottier du site vivre de son site internet.com. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais revenir sur un point qui vous est peut-être déjà arrivé ou qui va vous arriver dans le futur. C'est comment réagir face à une avalanche de critiques. Donc juste avant qu'on voie tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir donc librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos sur YouTube et par la même occasion donc de rejoindre plus de 1000 web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Waouh ! Merci une nouvelle fois et surtout merci par rapport à tous vos likes et tous vos partages. Donc je vais vous mettre aussi quelques petites vidéos un petit peu que j'ai réalisées. Donc là je suis à La Valette, c'est juste là, je vais peut-être vous montrer. Donc là on ne voit pas très bien, donc je stabilise un petit peu la vidéo, mais je vais vous montrer quelques exemples de Malte par la même occasion. Donc si vous êtes un petit peu sur internet, je le vois à travers certains membres de mon club privé vivent de son site web. Moi voilà, j'ai démarré en 2011, donc j'ai eu des avalanches et des avalanches de critiques. Et hier, j'ai eu un copain, un web entrepreneur qui avait un petit coup de moins bien parce que là voilà, son activité stagnait. Et dans la même heure, je disais, je vais revenir juste après dans la vidéo, dans la même heure, j'ai reçu un message, c'était un membre de mon club privé qui disait « Waouh, c'est grandiose ton club privé, c'est magique, etc. » et quelqu'un qui m'insultait. Donc, on va y revenir en détail parce que c'est très, très important que vous ne soyez pas bloqué par la critique, par différentes choses. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre dans le business et que je vous invite vraiment à réaliser, c'est la division. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Si demain, vous êtes supporter du PSG, vous ne pouvez pas dire le PSG, c'est bien et Marseille, c'est bien. Ou le PSG, c'est pas mal et Marseille, c'est pas mal. Vous dites le PSG, c'est magique, c'est fantastique, c'est grandiose, c'est énorme et Marseille, ça pue la défaite, c'est de la grosse merde. Vous voyez un petit peu l'idée? Vraiment, ça va diviser. Qu'est-ce qui va se passer au sein de votre audience? Tous les gens qui sont pour Paris vont dire « Waouh, celui-là, c'est un king, c'est un dieu, je l'aime, évidemment que je vais le suivre. » Ça va devenir un fan. Et tous les gens qui sont pour Marseille vont vous détester. Second exemple qui n'est pas sportif, par exemple, vous êtes végétalien. Si vous êtes là en disant un petit peu « Non, mais c'est pas dramatique de manger de la viande une fois par semaine, etc. » Un petit peu le discours politiquement correct, ça va vous amener quelques clients, mais vous n'aurez jamais des fans. Par contre, si vous êtes là un petit peu drastique, un petit peu extrémiste en quelque sorte, où vous dites « Non, mais c'est inadmissible, les viandards, la maltraitance des animaux, toutes ces choses-là », vous allez forcément diviser. Il y a une partie des gens qui vont dire « Waouh, enfin !» l'homme ou la femme de ma vie, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, quelqu'un qui pense la même chose, quelqu'un qui dit vraiment des choses où je suis 100% en adéquation. Et c'est ça la grosse erreur de beaucoup de personnes dans le monde de l'infoprenariat, dans ceux qui n'ont pas forcément énormément de succès, c'est de faire donc du discours politiquement correct. Moi, vous savez ma position, je le dis tout le temps et je peux le répéter encore aujourd'hui, le CDI, ça pue la grosse défaite. C'est-à-dire que si demain vous êtes un petit peu sur un lit de mort, je ne pourrais pas vous regarder, je ne pourrais pas être comme ça en vous regardant droit dans les yeux en vous disant « Waouh, tu as une vie extraordinaire de travailler 35 heures par semaine pour gagner 1300 euros par mois. » Je serais juste un gros enfoiré, un faux ami qui ne voulait pas vous voir réussir. Et moi, je préfère vous dire la vérité et ceux qui évidemment sont en salariat ou comprennent pas vraiment un petit peu ma démarche, me détestent, me disent « Mais c'est qui ce jeune? C'est qui ce gars-là? Il se prend pour qui? Il se prend pas pour de la merde ou je ne sais quoi. » Et tous les gens un petit peu dans l'entrepreneuriat dur sont comme ça. « Waouh! Mais enfin un jeune qui pose ses couilles sur la table en quelque sorte. Enfin un jeune qui dit quelque chose que mais je suis 100% d'accord, je suis 100% pareil. » Et évidemment, ça amène beaucoup de critiques. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que grosso modo, on a des critiques et c'est logique. Imaginez, je sais pas, sur internet, c'est quand même, on est jugé quel que soit le contenu. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que quand je fais une vidéo sur YouTube, vous aussi, quand vous faites une vidéo sur YouTube, un podcast ou même un article, en quelque sorte, vous le faites gracieusement, même s'il y a des stratégies marketing, ensuite vous avez un véritable business derrière. Mais là, à cet instant T ici, quand vous visionnez la vidéo YouTube, vous payez rien. C'est gratuit en quelque sorte. Donc, soit si tu n'aimes pas, tu pars en quelque sorte, ou soit si tu aimes, tu restes.
Mais en gros, ça sert à rien, et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est ils vont rester sur la vidéo en disant ce connard ou entre guillemets ce qu'on appelle les haters. Donc du coup, voilà, c'est important de vous dire que même si vous n'êtes pas un leader aujourd'hui, tous les leaders se prennent une avalanche de critiques. Et c'est souvent un petit peu parce qu'il y a peu de gens qui en parlent de ça. Il y a beaucoup de personnes, si aujourd'hui vous démarrez un peu sur Internet, vous pensez que les gens qui gagnent 10 000 euros par mois, donc moi je suis dans le top 1% des revenus francophones par rapport à l'ensemble de mon activité, donc paris sportif, course à pied, web entrepreneuriat, muse VPN, affiliation, mes revenus en paris sportif, je suis à plus de 10 000 euros net par mois, donc je suis dans le top 1 revenu francophone. Et vous pourriez peut-être vous dire waouh, mais c'est trop bien la vie de Maxence, il voyage à travers le monde, etc. Et avoir un petit peu ce côté en se disant mais évidemment le gars il a jamais de critique en quelque sorte. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, je le vois notamment dans des séminaires et au dernier récent sondage que j'ai fait un petit peu sur les gens qui me suivent, qui pensent cela, qui pensent que si on a du succès sur internet entre guillemets, on a opinion sur rue, on se prend jamais de critique. La réponse est archi faux. On a énormément de critiques et c'est pour ça que vous êtes un leader, c'est pour ça que vous avez votre activité qui a décollé, c'est parce que vous avez divisé des gens, vous êtes créé des fans. Donc vous pouvez créer une entreprise en réalisant des clients, il n'y a pas de souci, mais moi je préfère créer une entreprise où j'ai des fans, où j'ai des gens, voilà, quand je sors un nouveau produit, boum, ils achètent. Quand je dis quelque chose, boum, ils kiffent. Quand je passe du bon temps avec ces gens-là, un quelconque séminaire, c'est trop bien parce qu'on est dans la même fréquence, la même énergie, les mêmes pensées, les mêmes habitudes, et ça, c'est vraiment gigantesque. Alors certes, c'est un petit peu la peur de l'être humain vis-à-vis des critiques, mais c'est logique, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Internet, un clavier, boum, vous pouvez dire ta gueule connard ou t'es moche ou tu te la pètes ou que sais-je, juste avec un clavier. Donc on vous avait jamais vu, vous connaissez ni la personne, etc. Si vous devez regarder la personne droit dans les yeux. Donc juste avant de l'avoir regardé droit dans les yeux, si vous étiez comme ça, on la regarde. Et dis-moi juste à oral, déjà même pas avant de me voir droit dans les yeux, ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu arriveras à me le dire? Mais il y a 95% des gens qui seraient strictement incapables parce qu'ils auraient peur de se dire « Oh mais putain, mais je suis trop con, pourquoi je lui ai dit que c'était un gros connard? Le mec, je le connais même pas, je suis débile moi-même. » Voyez un petit peu la débilité humaine. C'est parce que c'est du virtuel en quelque sorte. Dans la vraie vie, je sais pas, si quelqu'un n'est pas d'accord, vous entendez quelqu'un, je sais pas, dans la rue, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, vous n'allez pas le voir sur l'épaule en lui disant « t'es un gros connard » ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important que vous ayez tout ça à l'esprit pour enlever cette peur qui vous paralyse et qui vous empêche donc de réussir sur internet. Parce que évidemment, ça fait jamais plaisir de recevoir des insultes, des choses comme ça. Mais c'est le job, c'est le deal, ça fait partie un petit peu du métier. Comme ça fait pas plaisir si vous êtes en France de payer des impôts, mais c'est les règles du jeu. Si vous les payez moins d'impôts, vous n'habitez pas en France, point à la ligne. Si vous habitez en France, vous savez les règles du jeu, vous allez vous faire massacrer en termes de fiscalité sur le plan juridique. C'est aussi bête que ça. C'est pareil, sur internet, c'est le deal. Donc vous n'allez pas recevoir toutes les heures des insultes, loin de là. Mais de temps en temps, oui, vous allez avoir des insultes, des messages pas sympas. Mais focalisez-vous toujours sur ce que vous avez apporté. Moi, à chaque fois, la même heure, je reçois des éloges fantastiques et des insultes. Je me dis juste, c'est énorme, voilà, un fan et un qui m'aime pas. Mais voilà, j'ai fait mon job et ça va être bénéfique pour mon entreprise parce que tout ce que j'explique, ça va vis-à-vis de moi, mes valeurs précises. Si vous êtes un viandard, vous devez dire, voilà, les végétaliens, c'est complètement des cons à nous faire chier, à manger sans lait ou j'en sais rien. Vous voyez, vraiment aller dans votre croyance, votre milieu et vos valeurs en quelque sorte, et vous allez attirer des gens comme vous. Le but, c'est, vous l'avez déjà entendu, c'est ne pas plaire à tout le monde. Donc je sais que tout le monde le comprend intellectuellement, moi-même, et après le comprendre émotionnellement. Donc créer votre marque, votre entreprise par rapport à vraiment ce que vous avez ici dans le cœur, dans les tripes, que ça, boum, quand vous en parlez, vous êtes vous êtes dans un autre univers parce que vous êtes extrêmement satisfait. Et donc du coup, vraiment, vraiment, mettez tout ça en place. Donc n'oubliez pas, les leaders, moi-même, tout le monde, n'importe qui sur internet se prend des critiques. Donc vous allez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de remerciements. Vous allez avoir aussi quelques dizaines de messages complètement désagréables. Peut-être même une fois, ça sera venant d'un client parce que c'était vraiment pas le client en fait qu'il aurait fallu que vous attirez.
etc., etc. Donc du coup, voilà, pas de panique, pas grave, ça arrive, c'est le job, on connaît le deal. Et ensuite, continuer, progresser dans tout ce qu'on réalise. Donc, c'était pas une vidéo de web marketing comme souvent j'ai l'habitude, mais je sais que si on est bloqué par cette peur du jugement qu'on peut avoir, bah imaginez, là je fais des vidéos, j'ai vu plusieurs personnes sur les côtés qui me regardaient parce que je parle aussi assez fort dans mes vidéos, peut-être en se disant c'est qui ce gars-là, et bah voilà, je m'en fous en quelque sorte. Donc, c'est important, dites-vous toujours que quelqu'un vous critique ou que sais-je, il ne s'en sortira pas vivant. Donc vous-même, lui-même, donc il n'y a pas de panique. Tu peux me dire que je suis un gros connard, de toute façon tu vas mourir comme moi un jour ou l'autre. Donc no problème. Effet miroir, comme ils diraient les différents coachs en développement personnel, vous dites miroir. Si tu dis que je suis un gros connard, c'est que tu dois être un gros connard. C'est aussi bête que ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que si aujourd'hui vous avez des fois des peurs, des blocages, j'en ai encore moi-même, comme tout être humain. N'oubliez pas ça. C'est important de toujours faire et d'aller dans vos rêves. Donc cliquez sur le bouton like juste en dessous si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis donc au plaisir pour de prochaines vidéos. Et juste avant de vous quitter, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc comment j'ai généré donc 71 495 euros avec deux sites web. Donc il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Donc il y a un lien aussi à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça vous permettra bien de être redirigé vers notre page. Il suffit d'indiquer donc votre prénom et votre adresse email. Donc vous mettez votre prénom, votre email. Vous allez recevoir donc cette vidéo bonus instantanément directement dans votre boîte mail. Donc comment j'ai généré donc 71 495 euros en 12 mois avec deux sites web. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser. Et si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone ou depuis YouTube, tout est dans la description juste en dessous ou encore il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube. À très vite, bye bye.